Ils ont vécu une jolie histoire d'amour, mais les choses n'étaient pas gagnées d'avance. Julien Clerc et Miu Miu se sont rencontrés en 1975 sur le tournage du film d'amour et d'eau fraîche, de Jean-Pierre Blanc. Or, à l'époque, la comédienne était en couple avec Patrick Dewar. Et sa nouvelle idylle naissante a entraîné quelques scènes de violence relativement inouïes. De plus, avant de lui donner la réplique, la chanteur et acteur avait vu l'une des performances de sa partenaire au cinéma et il n'avait pas été très fan de ce qui était diffusé sur grand écran. Je n'ai jamais osé le dire à Miu Miu. À l'époque de sa sortie, en 1974, le très provocant Les Valseuses en avait choqué plus d'un. Dont Julien Clerc. J'ai eu beau connaître une époque où tous les abus étaient permis, je suis toujours resté raisonnable, expliquait Julien Clerc au journal Le Point. J'ai été bien élevé. Mon père ne mésestimait pas les femmes, et je n'ai vécu qu'avec des femmes fortes, donc été sensibilisé très vite au féminisme. Je n'ai jamais osé le dire à Miu Miu. Mais j'ai quitté la salle au milieu du film Les Valseuses, je n'ai pas supporté certaines scènes. J'ai eu la chance de connaître Gisèle Halimi et de vivre de près les grands procès de viol, donc je trouve que hashtag Meto, si est-y bien. Et puis je comprends que les femmes puissent toujours souffrir du patriarcat. Julien Clerc et Miu Miu sont restés ensemble jusqu'en 1981. Ils ont eu, en 1978, une fille baptisée Jeanne et sont restés, depuis, en d'excellents termes. Il avait même, en 1992, adopté Angèle, la fille qu'elle avait eue avec Patrick Dewar. S'il a écrit Ma préférence en 1979 en s'inspirant de cette relation, le chanteur n'est-ce que cela dit pas l'homme qui est à l'origine du très célèbre pseudonyme de son ex. Celui qui a transformé Sylvain Terry en Miu Miu, si est-il un autre homme de sa vie. Coluche, qu'elle a aimé alors qu'elle était encore mineure, et qui ne cessait de lui répéter, t'es toute molle, toute mou, toute Miu Miu. Si j'avais pensé être connue, je ne l'aurais pas choisi, assurait-elle pourtant. Mais quand j'ai vu que ça embêtait les producteurs, je l'ai gardée.